c'est une soirée spéciale Norbert Moutier qu'on a décidé au début comme un clin d'œil et qui est devenu un hommage, malheureusement. Alexandre est un spécialiste de Norbert. Fais pas genre, non, si. Et du coup, c'est pour ça qu'on lui avait demandé de venir, parce que nous, on connaissait très peu. Et on s'était dit, ce serait cool. Et voilà, bah, personne ne peut parler de Norbert Moutier, en tout cas dans nos trois, mieux que lui. Bah vas-y, Alexandre. Bah merci. Non, c'est normal. Non, c'est... merci d'être venu à la séance et merci aussi de m'avoir proposé de le présenter. C'est normal. Donc en fait, je vais vous parler de Norbert Moutier, qui est le réalisateur du film de ce soir. Norbert Moutier est né le 17 mars 1941 et c'est quelqu'un qui, depuis son enfance, a vécu pour le cinéma. C'est quelqu'un qui estime être devenu cinéphile à l'âge de 5 ans. Il a développé une passion pour le polar, le western, le cinéma d'horreur. Et donc c'est pour ça qu'en 1979, Norbert a créé son propre fanzine, c'est-à-dire Monster Beast, qui est devenu une référence dans le milieu. Donc c'est une époque où Internet n'existait pas encore, et ces revues étaient alors considérées comme des bibles du cinéma bis. C'était très documenté, très complet. Norbert, c'est quelqu'un qui faisait tout pour vivre de sa passion. Ça l'a poussé à multiplier les activités, c'est-à-dire il a créé une boutique qui s'appelle BD Ciné, où il vendait des films, des magazines, des fanzines, des VHS. Et en même temps, il continuait son fanzine, il participait à des magazines, il écrivait des romans pour la collection Gore, et surtout, à partir de 1982, il s'est mis à tourner des films. Vous allez voir, c'est des films qui sont faits avec très peu de moyens, complètement bricolés, tournés avec des amis et des acteurs amateurs. Ces films lui rapportaient peu, il mettait des années avant d'écouler des VHS, et malgré tout, il a continué au fil des années à faire des films. Donc malheureusement, comme l'a dit Pierre, il y a quelques semaines, on a appris le décès de Norbert. Donc moi, j'ai personnellement très peu connu Norbert, mais rien que pour sa détermination à faire des films, c'est quelqu'un pour qui j'ai quand même une certaine admiration. Et je vais laisser la parole à Franck Ekalar, qui lui a bien connu Norbert en tant qu'ami et client, et qui a joué dans deux de ses films, notamment Dinosaur, que vous allez voir ce soir. Bonsoir tout le monde. Ça fait bien plaisir de voir autant de monde pour une projection d'un des films de Norbert, en fait. Donc Norbert, il a tourné à peu près, je dirais, 7-8 films. Il faut savoir que c'était une sacrée entreprise de tourner des films avec, en gros, le budget des lingettes pour se nettoyer les mains sur un film de Besson. Donc voilà, en gros, c'est vraiment des films qui ont été tournés avec énormément de passion, par contre, vraiment aucun moyen. Il tournait avec ce qu'on appelait le HI8 à l'époque. Donc c'était un format amateur, un peu comme le VHS. Mais ce qui était intéressant avec ce format, c'est qu'on pouvait avoir un time code pour faire un montage à peu près, bon, à la volée, mais un peu plus précis que ce qu'on aurait fait avec de la VHS, hein, enfin un format VHS standard. Et les films étaient entièrement post-synchronisés, ce qui est assez marrant en fait, parce que des fois on a une image qui est on va dire, un peu surréaliste, et en plus la bande son est encore plus étonnante que l'image. Donc c'est vraiment, il y a un espèce de gap à chaque fois qui est franchi sur ces films. Faut pas s'attendre à du cinéma standard, du cinéma, enfin ce que vous voyez à la télé, ce que vous voyez au cinéma en général. On est vraiment, je dirais qu'on est dans la quatrième dimension du cinéma. Voilà, c'est... c'est... Ayant bien connu Norbert, parce que j'ai fréquenté quand même pendant 8 ans, c'est un ami, hein, vraiment, donc voilà, j'ai sympathisé avec lui au départ, parce que en fait c'est le fanzina qui nous a réunis. Moi je faisais un fanzine, à l'époque j'étais très investi dans le milieu punk, metal, hardcore, au début des années 90, et j'étais musicien, enfin bref, on faisait aussi un fanzine avec des amis. Du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un endroit où déposer les fanzines sur Paris, et j'ai vu que Norbert avait une boutique, voilà. Donc, qui était consacrée essentiellement au cinéma de genre. Donc je me suis présenté, tout de suite le contact est passé, de fil en aiguille on en est venu à sympathiser, à discuter, on avait les mêmes passions. Enfin lui il n'écoutait pas de métal, de punk ni de hardcore hein, quand même. Ben, je m'éloigne là, donc il faut qu'on revienne au questionnaire. Du coup ce que je vais te demander c'est si tu peux parler un peu de l'importance que Norbert a eue dans le milieu du fanzina et pour les fans de cinéma de genre comme toi, quelle place il a eu, quoi. Alors Norbert, c'est un précurseur, c'est un pionnier, donc c'est quelqu'un qui a commencé au début des années 80, que bon, moi à l'époque j'étais un gamin, hein, j'avais en
83, j'avais 15 ans, voilà, donc c'est à cette époque-là que j'ai découvert le cinéma bis, les films gore italiens, etc. Et quand je suis monté à Paris au début des années 90, j'ai rencontré très vite Norbert, et c'est vrai que Norbert, il avait quand même une place importante à cette époque-là, dans ce milieu-là. Ne serait-ce que parce que bon bah il travaillait sur son propre matériau qui était le fanzine, qui était un fanzine qui était fait à partir de pavés de presse qu'il était les seuls à avoir. Enfin, c'était vraiment, fallait savoir qu'à l'époque, en fait, quand on faisait un fanzine, on faisait pas du copier-coller comme aujourd'hui, et donc en fait chacun avait des sources documentaires qui étaient les siennes, et Norbert, il avait la chance d'avoir du matériel de première main, en fait, puisqu'il avait il était aussi à l'époque, enfin jusque dans les années 80, il était animateur d'un ciné-club de province, et il récupérait absolument tout le matériel promotionnel. Et donc voilà, en gros, c'est comme ça que s'est constituée cette base documentaire que Norbert a fait vivre pendant des décennies, hein. Et toi, comment j'en ai arrivé à jouer dans un de ces films, et comment c'était de tourner pour Norbert ? Alors, donc en fait, j'ai rencontré Norbert en 91, je crois. Bon, un jour, il me dit, je te sens bien là pour jouer dans un film et tout. Je dis, je suis pas acteur, hein, du tout, j'y connais rien. J'aime bien regarder des navets ou des grosses zèbres, des grosses bisseries, mais enfin, je me vois pas jouer là-dedans, quoi. Ah, si, il faut que tu viennes et tout. Il me faut des jeunes, il me faut des gens dynamiques. À l'époque, Norbert, il avait 40 balais quand même. Hein, donc, moi, je devais en avoir 22. Donc, en fait, il avait un réseau, il recrutait. C'était un peu comme une secte. Une fois que tu étais dans son magasin, il parlait avec toi, t'échangeait beaucoup, il te louait des VHS, il te testait, en fait. Il voyait si t'aimais le bis ou pas, si t'étais un vrai ou pas un vrai, si t'étais un touriste du cinéma de genre, ou si t'étais vraiment dans le truc. Alors une fois qu'il t'avait testé, il te titillait, tiens, j'ai un projet de film bientôt. Donc, si ça t'intéresse, repasse me voir la semaine prochaine, je te filerai un synopsis et tout. Et de fil en aiguille, du coup, je revenais le voir, parce que j'étais intéressé, même si en même temps, je me disais, bon, je vois pas ce que je vais aller foutre là-dedans. En même temps, je me disais, j'étais quand même hameçonné un petit peu comme ça, je me disais, ah ouais, ça peut être cool, ça peut être une super expérience, ça peut être vraiment drôle, et puis en plus, je vais peut-être apprendre des trucs. Parce que moi, j'avais aussi une ambition à l'époque, qui était aussi de faire un film. Donc je me suis dit, allez, je vais aller apprendre aux côtés de Norbert. Et du coup, c'est comme ça qu'il m'a proposé de jouer dans son film, qui était le quatrième ou le cinquième, je sais plus, Alien Platoon. Voilà, donc le génie de Norbert, je disais tout à l'heure, c'est de prendre Alien et Platoon, et je prends deux films comme ça qui sont emblématiques, et je fais un film avec. Donc ça, c'était vraiment le... Un film d'ailleurs où il n'y a pas d'alien. Il n'y a pas d'alien. Il y a un platoon quand même. Ah d'accord. Bon. Il vaut ce qu'il vaut. Hein. C'est quand même un platoon de bras cassés, mais il y a un platoon. Par contre, il n'y a pas d'alien. En fait, il y a un espèce de cyborg que j'incarne d'ailleurs dans le film. Donc en fait, j'ai trois rôles, je crois. Le premier, c'est que je fais le cyborg, mais comme j'ai un masque en latex, on ne me reconnaît pas. Ensuite, j'ai le rôle d'un des chasseurs qui est dans le fameux platoon, qui est censé partir à la recherche du cyborg pour le tuer. Et puis, en fait, je fais aussi à la fin du film, je suis un zombie, donc il m'avait collé un espèce de filet de provision, enfin, je sais pas ce que c'était, un bas. Non, c'est un filet à orange, en fait. C'est ça, ouais. C'est un filet à orange que j'ai sur la tête. Et je suis cadré de pas trop près, donc du coup, ça passe, on me voit. Enfin, moi, je me reconnais, mais les gens ne me reconnaissent pas, c'est ça qui est bien. C'est l'anonymat aussi, en même temps, dans les films d'Norbert. Et du coup, bah, je fais quand même trois personnages, voilà. C'est vraiment le système D dans les films bricolés. Où effectivement t'as pas d'argent et où t'as 15 personnes pour incarner, pour faire un casting de 30 ou 40 personnes, voire plus. Même si voilà, t'es conscient que c'est très Z et que toi tu disais que tu te marrais en voyant les films, tu reconnaissais quelques qualités quand même à Norbert. Alors Norbert, bah, il a. Voilà, c'est, moi ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'était sa passion, quoi. Il avait vraiment une passion pour le cinéma. C'est quelqu'un qui avait un côté. Alors, c'est quelqu'un qui était comptable, en fait. Il travaillait dans la comptabilité, il avait bossé dans une banque. Et en fait, c'était un boulot, mais
qui me faisait chier, mais à un point, mais vraiment. Ce qui fait qu'à vers l'âge de 37 ans, 38 ans, il a tout plaqué. Il a acheté, enfin, il a récupéré un fonds, donc Square Montholon dans le 9e, et il a décidé de tourner la page complètement et d'ouvrir un vidéoclub. Voilà, donc, et de vivre de sa passion, et uniquement de sa passion, et de se consacrer uniquement à cette passion, qui était le cinéma de genre, le cinéma bis, la série Z, etc. C'était vraiment un admirateur de gens comme Umberto Lenzi, Ruggiero Deodato, et puis Bruno Mattei. Je sais pas si vous connaissez Bruno Mattei, mais enfin voilà. C'était un gros fan de Bruno Mattei, et en fait je crois qu'il voulait faire un peu la même chose que Bruno Mattei, en partant encore plus dans un délire psychotronique. Mais je pense que moi, quand je dis délire psychotronique, je vois tout à fait quelle est l'idée derrière. Mais en fait, Norbert, il n'avait pas ces notions-là de délire psychotronique. Lui, ce qu'il voyait, c'était... lui, ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il ambitionnait, c'était simplement de réaliser un film et de raconter une histoire, en fait. C'était vraiment... ce qui était hyper important dans ses projets, c'était le côté narratif. Donc, il écrivait, mais des scénarios hyper développés, des continuités narratives extrêmement développées, qui étaient de véritables romans en fait, avec un découpage plan par plan qui était très précis. Et en fait, il avait vraiment une vision de cinéaste. Là où c'était compliqué pour lui, c'est qu'il n'avait évidemment pas les moyens d'un cinéaste professionnel. Donc c'est le dilemme qui était vraiment pour chacun de ses films. Il avait une vision très précise de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait raconter. Il était vraiment passionné, enthousiaste, et il arrivait à fédérer les enthousiasmes de tout le monde en fait. Et donc en fait on serait allé tourner un film sur la banquise avec Norbert. Je veux dire, à partir du moment où il y avait au moins un sandwich offert et une bière et le voyage, on y serait allé quoi. Mais après l'histoire c'est que voilà, il n'avait pas forcément les moyens de ses ambitions, et que du coup ses films ils paraissaient quand même, c'était très incongru, c'est qu'il y avait un côté vraiment fauchier et amateur. Mais pour moi l'amateurisme c'est pas une insulte hein, c'est pas voilà. Et en plus quand on a, moi je sais très bien que Norbert, parce que j'ai énormément discuté avec lui, il était réellement sincère. Il essayait pas de prendre les gens pour des cons, ou de se moquer, ou d'arnaquer les gens. Voilà, donc c'était quelqu'un d'honnête et de sincère, et il a essayé de vivre de ça, de cette passion, et puis il en reste ce qu'il en reste, c'est-à-dire des films que vous pouvez regarder, voilà. Alors pour le moment, on va vous passer plusieurs vidéos. Donc voilà, après ces vidéos, on va revenir pour vous présenter le film plus en détail. Voilà. Merci. Donc on va passer au film. Alors Dinosaur from the Deep, c'est un film qui date de 1994, c'est le cinquième long métrage de Norbert Moutier, et à mon avis il a sûrement voulu rendre hommage au vieux film de monstres à la Ray Harryhausen, mais tout en profitant du succès de Jurassic Park qui était sorti en fait un an avant, en 93. Et en même temps sur la fin, enfin Norbert aimait bien faire des mélanges, donc à chaque fois il mélangeait des concepts de films différents qui avaient eu un certain succès, et là il mélange le film de dinosaure à Alien, parce qu'il y a un passage dans un vaisseau spatial qui en est clairement inspiré. Alors vous allez voir tout ce qui est représentatif du cinéma de Norbert Moutier, c'est-à-dire sa cave qui est reconvertie en vaisseau spatial, les armes qui sont faites avec des objets de récup, le tournage qui a été fait en grande partie en forêt, et les acteurs piochés parmi ses amis. Alors vous allez reconnaître Antoine Cervero que vous venez de voir et qui a fait les dinosaures, Christophe Lemaire qui se fait arracher un œil au début du film, Christophe Beer qui joue l'avocat qui a l'idée du voyage dans le temps. Alors il y a une petite apparition de Tina Aumont qui en fait est une actrice qui a joué dans le Casanova de Fellini et qui là joue une infirmière au début. Et surtout il y a Jean Rollin, donc le fameux réalisateur de films fantastiques français, qui tient un des rôles principaux, celui du scientifique. Et il y a Norbert lui-même qui tient le rôle du chasseur de primes, Kruger, donc sûrement en référence à Freddy. Et comme il le disait, voilà, il n'avait pas envie d'être acteur, mais bon, ça l'arrangeait d'avoir un rôle en moins attribué. Donc Franck, toi t'as joué un rôle dans le film, bon, même si c'est un petit rôle, est-ce que tu peux nous parler justement de ton rôle et du décor du vaisseau? Donc moi je joue un rôle, enfin bon, c'est vraiment très nébuleux, en plus j'ai pas revu le film, j'ai pas révisé du tout avant. Je parle de ton rôle. Donc voilà, il va vous expliquer qui je joue, parce que moi je ne sais plus. Bon, faut dire aussi une chose, c'est qu'à l'époque, les tournages de Norbert Moutier,
Bon, lui, il aimait pas l'alcool, il buvait pas d'alcool. Par contre, nous, moi en plus, je venais du milieu punk, metal, hardcore, etc. Donc nous, on teasait vachement. Et moi, je me rappelle avoir été, mais vraiment dans des états d'alcoolisation sur ces tournages. Et du coup, des fois, j'oubliais le texte. Ou même des fois, il fallait qu'il me réexplique 3-4 fois ce que je devais faire. Parce que j'étais un peu en état d'ivresse. Voilà, et j'étais pas le seul. Hein. Du coup, bah, je pense que j'ai fait une amnésie après le film, et que je ne me souviens plus du tout en fait qui j'étais dans le film, voilà. Alors pour expliquer, bon, si vous voulez voir Franck, c'est lui qui il apparaît seulement à la fin du film dans le vaisseau, enfin vaisseau cave de Norbert. Quel rôle tu joues? Oui, bah tu joues un membre de l'équipage, ah, voilà. Enfin si vous le reconnaissez, ben, vous verrez. Par contre, il y a un truc dont... Le pire c'est que j'ai vu le film. Hein. Il y a un truc dont tu te souviens, c'est le dinosaure créé par Antoine qui est dans le vaisseau. Donc Antoine avait fabriqué plusieurs maquettes, enfin il avait fait donc des personnages animés en image par image, en stop motion, donc des petits dinosaures, des petites figurines. Et puis sinon il avait fait aussi des espèces de marionnettes. Donc moi il y a une scène où je me fais bouffer la gueule. Et donc le truc c'est que on n'avait pas les moyens de faire une vraie créature possible. Donc du coup il avait fabriqué à partir d'une chaussette, il avait fabriqué un monstre. Donc moi en fait pour cette séquence j'avais tout simplement j'étais cadré très serré et j'avais donc la main gauche, sur la main gauche j'avais la chaussette cannibale et il fallait que je me bouffe la gueule tout seul avec la fameuse chaussette, tout en ayant l'air de donner déjà de suggérer le fait que j'étais extrêmement surpris de ce qui se produisait. Je vous l'assure, c'est pas évident. Et ensuite je devais mimer d'atroces souffrances parce que j'étais en train de me faire bouffer quoi. Et en fait bon, c'était vraiment complètement surréaliste. D'ailleurs vous avez vu, il y a une dimension surréaliste hein, dans les films de Norbert, hein. c'est du Méliès gore en fait, hein. Et ça me rappelle aussi beaucoup le théâtre du Grand Guignol. Et voilà, Norbert c'était cette tradition là en fait, hein, un peu du forain, du théâtre, la baraque foraine où on voit des monstres, voilà. Donc il y avait tout ce côté fantastique, surréaliste du début du 20e siècle et de la fin du 19e. Voilà, je repasse la parole. Si vous avez des questions sur le film, sur Norbert, je pense qu'on sera dispo à la fin pour en parler, voilà. Bah, bon film. Voilà. Merci à vous, bon visionnage.